appelle là où les téléphones, je les dis entre moi, je ne gère pas l'histoire. Je l'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Où est la copie de mon émission? Hein? Où est la copie de mon émission? Ça y est? Non, bien sûr, vous voulez. Oui, oui. Vous voulez sur on fait l'interview ici. Ici? C'est là en bas, c'est nous. Là en bas? Non, ici, c'est nous. Donc, vous devez bien calmer devant le bureau. Parce que là, il y a des escaliers. C'est on n'est pas secours. C'est déjà ouvert. Allô? 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 Je l'espère bien qu'il n'y en aura pas. Il ne faudra pas qu'on cherche de coups sur la tête des chauves. Il y a 137 députés qui ont signé. Quel problème de procédure? Je ne sais pas si on ne va pas les inventer, mais je crois qu'ensemble avec les amis, nous allons nous battre pour que les signatures soient respectées. C'est quoi le contenu de la motion? Le contenu de la motion, vous l'aurez demain à la presse. Nous allons vous donner les textes, mais nous reprochons au Premier ministre, dans sa gestion, la violation de la Constitution et des lois, les actes de mégestion et l'impunité. Vous avez réuni combien de signatures? J'ai dit 137 signatures. Alors, opposition majorité comprise. Quelle est la chance de votre démarche quand on sait que vous avez affaire à une majorité qui ne va pas vous laisser la place? Ben, si tel est votre pronostic, tant mieux, mais nous n'entendons pas nous soumettre à votre pronostic. Qui vivra, verra. D'après le nous sommes optimistes. D'après la région intérieure, vous avez des choses aujourd'hui en principe. Pourquoi la première est-ce qu'il serait qu'on fasse cet effet en principe? D'après, comment? D'après la région intérieure. Oui. Le débat a eu lieu aujourd'hui. Et à quand la plénière pour prendre sur le... La plénière s'est réunie 48 heures après la transmission. À qui de droit? Mais Maïro, est-ce que dans cette motion vous cherchez le départ de Matata? La grande question qui une certaine opinion se pose, est-ce que le problème du Congo se résume à Matata? Vous pensez que si Matata quitte la primature, tout sera mieux, on verra, tout sera mieux avec le système actuel? Il faut préciser que nous ne cherchons pas la tête de M. Matata Ponyo. Nous sommes des députés, nous avons le pouvoir constitutionnel de lui demander des comptes sur sa gestion. Et lorsque nous nous apercevons des actes de mégestion ou de violation de loi, c'est encore notre droit de le sanctionner là-dessus. Nous ne faisons que assumer nos responsabilités. Il n'y a pas d'acrimonie, il n'y a pas d'acharnement, il n'y a pas de questions personnelles. C'est une simple faute. Ben, c'est la procédure qui va nous conduire, ce n'est pas moi par ma force ou quoi. Moi, mon devoir avec les amis, c'est d'entrer. La motion, nous verrons de le faire. Maintenant, c'est le bureau. Nous allons apprécier comment le bureau va manœuvrer. Mais je crois que le bureau sera sincère. Le bureau devra respecter les signatures de 137 députés. Cette fois-ci, vous êtes sûr que parmi les signataires, il n'y a pas de gens qui vont se rétracter pour dire que c'est une motion alimentaire? D'abord, les doublons. Nous avons vérifié à notre niveau. Nous avons trouvé
un nom qui n'est pas sur la liste des députés. Quelqu'un a voulu nous piéger là-dessus. Nous avons élagué ce nom. Pour le reste, avec ce nom, on sera à 138. On l'a élagué. C'est pour cela que nous sommes à 137. Pour le reste, tous les 137 sont des députés. Maintenant, vous dites retirer la motion parce que... Retirer leur signature. Retirer la signature parce que la motion serait alimentaire. Deux choses. D'abord, le retrait est-il prévu par quel règlement? Lorsque vous donnez en âme et conscience votre signature, mais vous vous êtes engagé, c'est fini. Alors, nous entendons parler de retrait de signature, les gens vont... Non, non, c'est pas prévu. Ça, c'est pas prévu. Et à mon niveau, je dois être sincère avec vous, je n'ai reçu qu'une lettre de retrait de signature. Encore que ça ne veut rien dire. La personne avait signé en âme et conscience, elle est liée par sa signature. Alors, retrait parce que la motion serait alimentaire. Mais c'est le retrait qui, à ce moment-là, est alimentaire. La motion est déposée. Elle est déposée. Si elle était alimentaire, on n'aurait pas recueilli autant de signatures. Non, il ne faut pas nous conduire sur ce terrain-là. La motion est signée par les députés responsables. Il faut respecter leur signature. C'est un exercice normal de la démocratie. Merci. Il ne faut pas croire que on va égorger quelqu'un, on va tuer quelqu'un. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est un exercice normal de la démocratie. Même nous-mêmes, les signataires de la motion, ils peuvent venir nous convaincre par ces réponses. Je vous remercie. Je vous remercie. Non, là c'est fini, c'est fini. S'il vous plaît. Ok, alors. On estime que. Oui. On est une certaine opinion pour ça qui se fait faire. Il vient de répondre. Honorable, s'il vous plaît. Honorable, s'il vous plaît, je suis arrivé un peu à l'état. Au total, vous avez recueilli combien de signatures? 137. 137, et vous précisez que personne ne s'est désisté. J'ai dit ici, j'ai reçu une lettre de retrait de signature. Une seule. Mais je me demande quel est le règlement qui prévoit une telle procédure. Dès lors que une personne aussi responsable qu'un député donne librement sa signature, mais elle est engagée. Est-ce que vous allez organiser une plénière des signataires pour confirmer si réellement tout le monde s'engage? Mais quelle confirmation encore? La signature veut dire quoi? La signature veut dire quoi? Pourquoi vous voulez que j'aille à cette procédure-là? Moi, je n'ai pas reçu de retrait de signature, à part l'unique lettre encore que j'ai dit que, en droit, c'est inopérant. Et ceux qui passent à la télévision disent qu'ils ont retiré leur signature? Mais ils auraient dû, au minimum, m'écrire pour que je leur dise que cela n'est pas prévu. Vous ne pouvez pas retirer votre signature à la télévision. Je prends le cas de désistement, la procédure de désistement devant les cours et tribunaux. Vous introduisez votre action devant le tribunal de grande instance de Matete. Vous allez vous désister de votre action devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. C'est un non-sens. Est-ce que vous êtes déçu par vos collègues de l'opposition qui ont refusé de signer cette motion? Non, toute l'opposition a signé. C'est pour cela que nous sommes à 137. Pas toute l'opposition, parce qu'il y a d'autres qui ont refusé. Comme qui? Toute l'opposition a signé. Donc vous avez le soutien des trois groupes parlementaires de l'opposition? Plus le quatrième, oui. C'est notre motion à nous tous, c'est pas ma motion à moi seul. Et vos collègues de la majorité ont aussi signé? Bien sûr, beaucoup. Ils ont signé. Et la motivation, c'est quoi en initiant cette motion de censure? Oh non, non. Mais nous sommes là pour suivre la gestion du pays. Pour dire que ça va ou ça ne va pas. Mais lorsque nous constatons que ça ne va pas, c'est ça la motivation. Et le ministre sectoriel ne pouvait pas vous répondre à cette question. Vous voulez seulement la présence du Premier ministre. Lorsqu'il y a combinaison de griefs sur plusieurs secteurs, quel est ce ministre qui s'occupe de tous les secteurs? Merci. Merci.